Salut à toutes et à tous, c'est Ultra Software et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Uncharted 4 pour présenter, faire un peu de découverte sur ce jeu et pour voir s'il vaut vraiment le coup, si vraiment c'est le porte-étendard de la PS4. Donc Uncharted 4, hein, pour pas le citer, c'est quand même une exclusivité Sony, donc c'est édité par Sony, développé par Naughty Dog. Naughty Dog qui sont très forts sur ces jeux-là, surtout Uncharted, The Last of Us, les plus connus et les plus décorés, on va dire, en award. Après, on le connaît aussi pour Crash Bandicoot et Jak and Dexter. Mais voilà, depuis un certain temps, ils font des jeux de haute qualité, dont Uncharted. Donc, comme on peut le voir, hein, déjà graphiquement, on peut voir que sur la PS4, ça tourne superbement bien. Les décors, ils sont quand même pas mal foutus. Si on regarde les visages, les expressions et tout, on voit quand même les défauts de visage de Nathan Drake. Donc voilà, Uncharted, pour remettre dans le contexte, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un explorateur qui est Nate, donc Nathan. Le personnage que je contrôle, et donc là nous sommes avec son frère dans l'épisode 4. A savoir que on peut faire le jeu sans connaître les autres épisodes, mais je recommande vivement, pour tous les clins d'œil et tout ce qu'il y a dedans, d'acheter pas cher The Nathan Drake Collection, qui est on va dire une remasterisation sur PS4 des trois premiers. Donc voilà. Voilà, les personnages on s'y attache, ils sont vraiment cool. Niveau humour, il y a ce qu'il faut. Et il y a un peu de tout. Infiltration, gunfight, exploration, puisqu'on va découvrir des temples et autres, et des énigmes aussi, qu'il faudra résoudre. Il est franchement autant voir, il est même supérieur aux autres. Ok, donc allons-y. Personne. Ouais, il est vrai. Elle est là, mais après, alors par où passer? Là, je vois qu'on peut grimper, donc allons-y. Donc, je ferai deux vidéos. La première, donc celle-là, pour montrer un peu le solo et tout, en espérant, comme je prends toujours des scènes au hasard pour éviter de spoiler, je prends une scène au hasard. Espérons qu'on ait un peu de gunfight. Sinon, après, il y a toujours mes vidéos de... Ouais, j'y serai bientôt. Je
sais pas comment je vais monter, mais... Ah, il est magnifique ce jeu. Donc ouais, première vidéo où je montre un peu le solo, puis après j'en referai une pour montrer un peu le multi. Le multijoueur qui est quand même vraiment pas mal aussi. Bon ouais, mais comment faire? Quand même faire. Parce que là c'est bien beau, j'ai grimpé, mais après. Ouais, ok. Il y a des moments comme ça dans le jeu, par contre, qui faudra trouver un peu son chemin. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Je sais pas où aller. Je ne sais pas où aller. Petit mur en face, en gros c'est comme s'il fallait. Ah ouais, bien bien vu, bien vu, bien vu. Voilà. Ouais, bah là ce sera plus du mode attention j'escalade à droite, à gauche. Hop, bien joué. Allez, vas-y. 1, 2, 3. C'est un peu comme s'il était mort, non? Victor, c'est lui-même. Ça fait un sacré bail. 10 ans, peut-être. 12? Ou 4? Incroyable. Le temps ne cesse de s'écouler. Et nous, on est toujours là à s'afficher toutes ces vieilles choses. Vraiment? Il semblait que tu avais repris l'affaire de tes parents. Ce sera bien fort. Pareil, le scénario, il est bien.
Ça fait loin. Je vais me péter la gueule. Allez, on va tester. Oh là, bah d'accord. Ah oui, dans ce jeu là, on peut mourir plein de fois. Parce que voilà, là par contre, j'ai mal géré. Alors, je sais pas ce qu'il fallait que je fasse. Fait que je remonte en haut. C'est les moments où, oui, c'est les moments d'exploration où faut bien regarder partout. Parce que, alors, à mon avis, c'est ça qu'il faut refaire. Ouais, mais c'est pas là. Et après, d'accord, j'ai compris. Donc. Bon, je vais refaire une petite vidéo. Je vais refaire une deuxième vidéo. Quand même, pour qu'on puisse aller un peu plus loin dans le solo. Parce que j'aurais bien voulu voir un peu de gunfight ou autre. Vous montrer cette partie-là, quoi. Ouais, et après. Peut-être de l'autre côté. Ok, par là, ok. À ça, question infiltration. Vas-y, je grimpe partout, il y en a partout. Et encore là, ça va, c'est des maisons. Et quand on sera dans des temples où il y a des falaises, ça sera peut-être pas la même. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que j'arrête cette première vidéo là. Merci déjà de l'avoir regardé. Aimez-la, partagez-la si vous avez kiffé. Je fais tout de suite une deuxième vidéo pour le solo, pour qu'on aille un peu plus loin. Et la troisième vidéo, ça sera sur le multi. Allez, cliquez au bon endroit, on se retrouve tout de suite. Ciao.